Yo, salut les gars, c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que je suis à l'hôtel, je suis actuellement en formation et du coup je me suis dit ça pourrait être sympa de faire une vidéo d'entraînement à l'hôtel pour tous ceux qui à chaque fois me sortent des excuses du style bah je suis pas là la semaine, je suis à l'hôtel, je suis en déplacement, j'ai pas le temps de m'entraîner, etc. Mais les gars, arrêtez vos excuses. Là je viens de rentrer, il est 19h, je suis à l'hôtel. Je peux m'entraîner dans ma chambre, même sans matériel. Alors on attaque ça tout de suite. Go! Alors, exercice numéro 1, tout simplement. Les pompes, les gars. Vous pouvez bien évidemment varier vos pompes avec des pompes diamants. Des pompes qui vont être plus larges si vous voulez. Faites 4 séries de 20 pompes sur 3 différentes, donc les pompes diamants, les pompes normales, les pompes larges. Déjà, vous allez commencer par vous calmer les bras et les pecs. Exercice numéro 2. Admettons que vous ne sachiez pas faire des pompes en équilibre. Ne me faites pas croire que dans votre chambre, il n'y a pas un seul mur où vous ne pouvez placer votre corps tout simplement en équilibre contre le mur. Et vous descendez en instant push-up. Vous pouvez faire des séries de 5 à 10 répétitions, 3 ou 4, avec 2-3 minutes de repos entre chaque série. Encore mieux, si vous voulez travailler un peu votre dos, faire comme si vous faisiez des tractions. Ne me dites pas que dans votre chambre, il n'y a pas une seule table ou un seul bureau. Regardez, un petit bureau. Tout simplement, vous allez le bouger un tout petit peu en faisant attention de ne pas l'exploser. Vous allez vous mettre dessous. Bon, après, si c'est sale par terre, ce n'est pas mon problème, hein, les gars. Vous placez tout simplement vos mains dessus et vous allez faire des tirages. Tout simplement. Après, si vous souhaitez travailler vos jambes, vos cuisses ou vos mollets, vous pouvez tout simplement faire des fentes, des squats, ou alors tout simplement aller faire un petit footing à l'extérieur. Ici, on est à Bordeaux et à 300 mètres, il y a un parc de street. Donc moi, je n'y vais pas parce que tout simplement, je me repose et que j'ai pas pris mes affaires de sport. En plus, il caille dehors. Mais tout simplement, fente. Vous pouvez faire les deux côtés, évidemment. Par exemple, sur les fentes, vous faites 20 fentes de chaque côté, vous faites 2, 3, 4 séries avec un petit peu de repos entre chaque. Et vous allez voir que juste avec ces exercices, si vous ne faites jamais de sport, vous allez pouvoir commencer à vous affûter et travailler à avoir un petit physique. Après, rien ne vous empêche d'amener à l'hôtel des bandes élastiques, des gilets lestés pour s'entraîner. Vous pouvez très bien faire des mouvements de supination comme si vous souleviez tout simplement une barre pour travailler vos biceps, sauf qu'au lieu de le faire avec une barre, vous le faites avec des bandes de résistance. Ça va travailler votre force et votre masse musculaire. Et vous pouvez aussi très bien travailler vos abdominaux, votre gainage au sol. Je ne vais pas tout vous montrer, vous connaissez sans doute les exercices, mais c'est pour vous dire que beaucoup de gens ont des excuses mais n'ont surtout pas la volonté de travailler. Donc, j'espère que cette petite vidéo exclusivement hôtel vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre un petit like et nous on se retrouve à la prochaine pour notre vidéo, les gars. Allez, prenez soin de vous. Ciao. Qui en veut?